Bonne grand monde longtemps, tu connais que ça fait avec capucine. Capucine, bon là, tu vois ça, tu utilises ça à usage médicinal. D'abord, pour les bronches. Lorsque mon marmaille ou même mon vieux gramoun, soit tu gagnes un refroidissement, les bronches l'étaient encombrées, la poitrine t'est ronfle, eh bien tu prépares capucine pour essayer de soigner ce problème de bronches, pour soigner les bronchites. Le fluidifie toutes les sécrétions qui encombrent les bronches. Les bronches. Ça, il faut nous connaître. Mais bon, quand on l'entend, tu connais, pourtant, je n'ai pas fait d'études, mais je t'ai en serve. Tu fais bouillir à peu près 3 fleurs, 3 feuilles, point tasse. Hein. C'est une fois que tu bouilles, tu laisses infuser dans l'eau bouillante là à peu près 10-15 minutes. Après, tu bois 1 tasse le matin, 1 tasse le midi, 1 tasse le soir. L'huile antibactérienne, antipelliculaire, et les soigne bon cheveux gras, ou qu'on a trop de sébum, qui déclenche d'ailleurs la levée des pellicules. Eh bien, pour cheveux gras, n'a point rien de meilleur que capucine, ou prend un pommier feuille, un pommier fleur, ou fait bien bouillant, ou il frotte tout cuir chevelu avec, ou lave votre tête avec, ou rince pas. Laisse aller un peu de temps, ou rince, ou à ce moment, ou fait ça le soir, de manière ou d'eau tranquille, ou mettre un serviette autour de tête ou d'eau, et le lendemain matin, on rince tout cheveux. Eh bien, si je t'essaye ça, je dois voir. C'est une manière, bon grand monde longtemps, tu utilises pour lutter contre cheveux gras. Capucine, il pousse devant notre porte, capucine, il pousse dans la rigole, capucine, il pousse partout. Bon, là, il met pioche dedans, il tue. Faut soigner ça.